Alors, faut que je regarde, j'ai vu que j'avais des trucs qui étaient bons pour le Black Bay. Le classeur, ce genre de choses. Dans autres, certainement. Non. Je regarde, hein, si ça se trouve, j'ai chopé un truc qui doit être avec d'autres. Non. Là-dedans. C'est bizarre. C'est bizarre, j'avais un truc qui était en vert. Putain, il coûte une blinde. Ça, voilà, évidemment. Putain, j'avais encore mes ordinateurs portables déverrouillés. Bon. Je vais déverrouiller celui-là. Faut que j'aille vendre chez Vladimir. Je sais, il s'appelle pas Vladimir. Enfin, on sait pas, on connaît pas en vrai son nom, mais ça me fait marrer d'appeler Vladimir. Allez. On va chez Vlad. Hop. Welcome back. Je regardais juste la mission. Bah on est ok. Soixante-dix-neuf mille. Attendez. Ouais, ok. Et on retourne là-bas. Non. Cachette. Voler la carte clé du coffre 302. Ouais, écoutez, moi je crois que je vais mettre juste en pause l'enregistrement 2 minutes histoire de me reposer un poil. Parce que là, je vous avouerai que c'est un peu rude. Il y a deux buts, hein. Donc j'ai la clé et j'ai une moto à détruire.
Il y a une moto. Ok. En même temps, il y a... Ouais, ok, c'est parce qu'il y a, il y a d'autres habitations, mais ils sont pas vraiment renseignés. Ouais, si, ça sauvegardait quand je... Ouais, ça sauvegardait. Alors... Magasin de moto. Commencer par ça. Donc c'est l'étage. On va déjà regarder comment... Alors à mon avis, pareil, PDA de hacker. Et c'est ici. Oh! Attendez, peut-être pas. Parce que j'ai vu une rampe. J'ai vu une rampe là-bas. Donc. Faut voir. Faut voir. Faut faire le tour de la propriété. Déjà, je fais un repérage. Là, il serait 3 déjà. Mais je ne vois pas de garde. En soit ici. Salut mec. Ok. Donc ça, ok. Caméra. Ok. J'essaie de voir s'il y a plus... J'y ai arrivé. Voilà. Il y a un truc là. Oh, ok, c'est parce que c'était pour le marquer lui. Il y a un truc là. La question c'est est-ce que je peux accéder d'une manière ou d'une autre? Apparemment depuis l'intérieur seulement. C'est assez bizarre comme truc. Ça a l'air d'être la réserve de véhicules en fait. Et sinon en fait c'est un magasin mais il est jamais ouvert en fait. C'est un concept. Faudra que le... Faudra que le chef de cette entreprise m'explique son business plan. Parce que là... Bon. On va attendre une minute. On va attendre une minute. J'essayais de d'avoir un garde en vue. Parce que j'arrive à la fin du temps déjà que j'ai pu lire. Oh. Attendez. Là, il y a encore autre chose. Alors, attendez, il y a autre chose, mais c'est à côté, hein, mais... Voilà. C'est à côté, mais c'est toujours intéressant. Bon. Pas eu? Ah, l'arnaque. Bah alors? C'est bon là.
Pourquoi ça bug? Ah bah ok, fallait que je m'approche, mais... Fallait que je m'approche, visiblement, ça a bugué. Ok, allez, hop, non. Direction, la voiture, et je reviens à minuit. C'est chaud quand même, les gardes, en fait, ils rentrent jamais chez eux, quoi. Vie sociale inexistante, quoi. Tu m'étonnes que dès qu'ils croisent quelqu'un, ils le tasent. Bon, j'ai toutes les infos qu'il me faut. C'est déjà ça. Donc, ici, info. Et on va lire ça, mais avant, je fais une toute petite pause. A tout de suite. Ok, donc me revoici. J'ai... Bon, bah, finalement, j'ai... Non, c'est pas ce que je voulais. Ah, mal foutu ça. Comment? Donc finalement j'ai réfléchi, j'ai un souci. C'est que j'ai pas regardé comment je pouvais accéder là-haut. Par l'intérieur certainement, mais... Alors la question c'est, voilà, dans le planning ils ont ce qu'ils appellent le garage. Le garage, c'est où? C'est là-dedans, hein? Sauf que... Attendez, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche parce que là, il n'y a personne au garage, là? Il n'y a personne au garage, là. D'accord, donc en fait, c'est avant qu'il faut. Le truc, c'est qu'il faut qu'il n'y ait personne devant. Donc lui, il est devant à partir de... Jamais. Jamais... Juste la pièce de rangement à partir donc jusqu'à 3 heures du matin. Donc à partir de 4 heures du matin déjà, on est safe jusqu'à 23. Donc pour lui, c'est bon. Lui, il y a le portail. Le portail, donc lui, c'est mort. Il y a le côté de la maison. On a peu de temps là. L'avant de la maison, c'est mort. Ok, en gros. En gros, je crois qu'il faut attaquer à 3 h du matin. Non, lui, il est au portail, purée! Non, il y a toujours quelqu'un devant, en fait. Enfin, quasiment tout le temps. Lui, il est jamais devant. Si, il est à l'avant de la maison, mais pas devant le portail, quoi. Donc, portail. Lui, je sais qu'après midi, il n'y est plus. Voilà. Lui, par contre, il y est. Il est la matinée. Et avant le portail. D'accord, ok. Bah, attendez, le portail voiture. C'est bien ça? Non, c'est le portail là-bas! Ben non. Parce que lui, il est pas censé être là. Portail voiture, arrière maison. Et bureau. Ça, c'est l'arrière de la maison? Ben non, il y a l'enseigne. C'est censé être devant. Là, je suis censé avoir quelqu'un à l'arrière. C'est lui. C'est lui là-bas. C'est obligé. L'arrière, c'est bien ça. Bon.
J'étais tout à l'heure à une horaire où il n'y avait personne. Il me faut cet horaire. Et en gros, est-ce que je comprends? Non. Alors, à l'avant, lui, il prend le relais. Lui, il prend le relais jusqu'à midi. À midi, lui, il est à l'avant de la maison. Lui, il est costumé. Ah, oh, purée, c'est midi. Ah, mais lui, il est à l'avant quand même. On va tenter midi. Je tente, hein, on verra bien. C'est ça, et là j'ai personne. Décidément, on le fait beaucoup ce mini-jeu. Putain de... À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je me fais avoir. Faut que je fasse attention aux caméras. Ah, purée. Steam qui fait chier à chaque fois. Et en plus, je me prends le mauvais outil. Attendez, pourquoi je suis zoomé? Bon, c'est pas grave. Je poserai pas la question. On va dire ça comme ça, comme ça. On va dire comme ça. On va dire comme ça. Pas pourquoi j'ai l'air d'être zoomé en fait, c'est assez chelou. Bon, c'est pas grave. Mais oui, je suis pas fou, mon personnage, la vue de mon personnage a été zoomée. Bon, c'est chiant, mais on va faire avec. Détecter. Je fais n'importe quoi, mais en plus j'ai la vue de mon personnage qui a été zoomé et ça me perturbe. Là c'est bon, ça a été dézoomé. On va y arriver. Oh, c'est contrôle. Je suis désolé, pourtant je viens de faire une micro-pause, c'est censé être mieux, mais là je galère. Je galère ma race, quoi. Qui redescend. Oh purée, bon ok. Alors, je suis ennuyé, c'est en haut, mais j'ai un garde en haut.
Donc je pense que je suis au mauvais moment. Mais je peux me planquer en dessous. Enfin, moi j'ai fait la mission secondaire. Est-ce que je me barre pour histoire de sauvegarder la mission secondaire? Ah d'accord. Bon, donc c'est pas le bon moment parce que faut pas qu'il soit. Alors lui il est où? C'est quoi cette zone? Est-ce que c'est la fameuse zone de rangement? Le garage. Donc il faut que j'ai personne. Il faut que j'ai personne dans le garage. On avance. Lui quitte le garage quand? À 18h, mais pour se barrer à l'avant de la maison. Et lui, il prend le relais! Donc c'est en matinée. Lui, il quitte le garage à 6h. Pour passer en portail voiture. Foiré. On va essayer de le feinter. Et lui, il est dans le bureau. La dépression. Elle est possible, cette mission, arrive un moment ou pas? Faut que j'attaque à 17h. Alors, même 16h pour. Allez, 16h et on attend. C'est pas grave, on va attendre 2 minutes. Ça passe très vite, hein, c'est juste des minutes. Histoire aussi que je puisse voir large au niveau du timing des piratages. Ouais, mais ça risque d'être tendu là. Alors, je me mets là. Et on va attendre 18h. Et j'ai bien fait de débarquer à 16h. Normalement, là, il est censé se barrer à 18h. Donc, dans 30 secondes. Enfin, 35 secondes. En espérant qu'il me capte pas, quoi. Il est où, là? Il est là. Détecté. Par qui? Oh, l'enfoiré! Ouais, bon, bah, ok. Mais sérieusement, comment c'est possible? Comment c'est possible?
Il m'emmerde ce raccourci Steam. C'est à chaque fois que je fais Shift Tab. Vanik était mort. Ah, oh, fais chier. Oh, ça me commence à me... Hein? Voilà, là. Elle me saoule cette mission, elle me saoule. Un magasin de moto que j'ai jamais ouvert déjà. Et puis les trois gardes, dès qu'ils croisent, ils tasent. Lâche, il doit avoir des clients ce mec. Ah, chargement de la zone. Et pas facile là. Hein. Là, il est là, 18h. Ils viennent de switcher. Je vais regarder le la nouvelle disposition. Parce que là, 18h. Ah, c'est 19h qui change en plus. J'avais encore une minute à attendre. Parce que après lui, il se barre. Il se barre où après? Ah non! Ben, 17h, 18h. Bon, c'est pas là. C'est pas là qu'il faut que j'engage. Là, il passe du garage au portail. De 22 à 23. Et lui passe de l'avant à l'arrière. On va tenter 22h. On va tenter donc résultat. Ouais, il faut qu'on attaque à 23h. Je me laisse large, donc je passe à 21h. On va attendre 2 minutes dans le garage. Purée, mais... Lui, il rentre dans le garage à ce moment-là. Bon, quand il parle du bureau, c'est où le bureau? Là, bureau.
Dès 6h du matin. Faut que je regarde qui. Il m'énerve ce raccourci! Parce qu'en fait, je cours et je change de. Je change d'équipement en même temps. C'est chiant. 7h du matin. Il y a quelqu'un dans le bureau à cette heure-ci. Voilà. Sort du jeu. Le bureau. Me dis pas que c'est là où je dois me rendre. Parce que sinon, je suis emmerdé parce que le. Si, c'est ça. Alors, faut que je change de stratégie. Est-ce que là il y a une entrée quelconque? Non. Par là il y a des grilles, donc je peux pas passer par les fenêtres. Il y a un escalier. C'est pas possible. Elle est possible cette mission ou pas? C'est quoi ça? J'ai un truc là, je sais pas ce que c'est. Si, bah c'est le truc de fenêtre. Attendez, je regarde un truc. J'ai un autre truc là-bas. J'aimerais savoir ce que c'est. J'ai un truc là juste en face de moi. C'est pour les caméras? Ouais, mais c'est inatteignable. Juste une question, c'est quoi là? Ouais, c'est inatteignable aussi de toute façon. Ouais, ok. Ah oui, mais au bureau il sort. Ok. Alors, ok. Donc, s'il y a un mec dans le bureau, c'est pas grave. Parce qu'il y a des moments où il sort. Donc. Lui, il est jamais dans le bureau. Lui, il est jamais non plus. Ok. Excusez-moi. Ok. Donc lui, dès 6h, il est au bureau. Donc dès 6h, potentiellement, je peux rentrer jusqu'à 12h. Donc de 6 à 12h. Ensuite, il faut qu'il y ait personne au portail. Et c'est là que ça pêche. Parce qu'il y a toujours quelqu'un au portail. Il y a toujours quelqu'un au portail, sauf à. quand je disais la 21h. Bon, 6h. On va tenter 6h. Tant pis s'il y a quelqu'un, honnêtement, on. On tente.
Lui, faut que je le feinte. Faut qu'il soit feinté, faut que il. Mais non, mais c'est pas possible. Faut que j'aille hacker cette porte. Oh purée, d'accord, ok. Donc en fait non, c'est pas comme ça qu'il faut que je procède. Ok, donc c'est pas comme ça qu'il faut que je procède. Donc c'est vraiment quand il y a quelqu'un dans le garage et j'utilise cette stratégie-là. Peu importe qu'il y ait quelqu'un devant ou pas, parce que je peux le feinter. Et là, ça devient vraiment, vraiment tricky. Donc personne dans le bureau, donc en fait, bah des midis. Donc en fait, à midi, j'étais bon. À midi, j'étais bon. Oh, cette raccourci de merde! Ah, je te jure, ce raccourci brun! Parce qu'en fait, quand je sprint et que j'appuie sur tabulation en même temps, ça. Ça fait foirer en fait. Il faut que j'attende qu'il se retourne. De toute façon, lui, il est là-haut. Allez, casse-toi. Je vois pas où est le troisième par contre. C'est très risqué ce que je viens de faire. J'ai encore un tout petit peu de temps. J'ai l'impression que ça défile plus vite.
Oh. C'est jackpot. Équipement complet. Je peux me barrer là? Je peux me barrer. Oh, la caméra m'a pas vu. La caméra m'a pas vu. C'est tout chat. J'ai pas pété la moto, hein, j'ai rien à péter. Oh purée. Aïe 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 aïe. Oh, puis en plus, j'ai fait un casse avec ça. Aïe, 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 mais regardez-moi ça! Regardez-moi ce niveau supérieur! Ça valait le coup, hein. Honnêtement, c'est. Ouh! Ouh! Oui, c'est ça, j'ai une deuxième lampe. Non. C'est pas ce que j'ai chopé. En électronique, je crois que j'ai chopé un truc. Ouais, donc j'ai ma deuxième lampe. D'accord, projecteur noir, par contre, il m'en faut 3. Donc stocker le projecteur et la lampe. Ok. Donc, je stocke le projo et la lampe. Non, dans l'autre sens. Le projecteur et la lampe. Donc, ok, faut que je retourne au 303. Faut que je retourne au 303, mais avant, prêteur sur gage. Oh. Oh là 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 là, ce stress. Oh yo yo, je vous jure. Oh, j'ai oublié de déverrouiller les téléphones. Et l'ordinateur portable que j'ai chopé. J'y retourne. Qu'est-ce que... What? Excusez-moi, j'ai eu un retour Windows. J'ai eu un gros retour Windows. Attendez, je remets XSplit devant mes yeux. J'ai pas compris. Là, j'ai... Attendez, 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 attendez. J'ai un souci. Je juste, voilà, un instant. Ah, bon. Attendez. Hop. Ça y est. Ok. Excusez-moi. La souris était mal capturée dans. J'ai pas compris pourquoi, mais la souris était mal capturée dans le jeu. Cachette. Chaque fois, j'hésite entre maison et cachette parce que. Mais la maison, voilà, on est censé y être mort, quoi, donc. Aux yeux de nos anciens employeurs. On va commencer par ça aussi. Hop, parce que j'ai récupéré 2 bracelets là qui sont. Qui sont merveilleux. Les téléphones. Décidément, ce jeu, je commence à le. Enfin, ce mini-jeu là, je commence à le haïr. Je vous avouerai.
Au départ, je trouvais ça cool, et puis très vite, on s'en lasse. Mieux comme ça. Ma chambre. Ok. Boutique prêteur sur gage, ouais, c'est ça. Welcome back. On va bientôt pouvoir acheter le PC de Hacker Pro. Ou j'achète le van avant. Vous savez quoi? J'ai envie d'acheter le van. J'ai envie de l'acheter. Je fais peut-être une connerie, hein. Mais je suis sûr que je vais gagner du temps pour mes pillages. Quand je pillerai. On va attendre la fin de de cette session de tournage. Ah ouais, mais c'est bientôt. J'ai envie. J'ai peut-être avoir besoin du piratage pro plutôt que prévu. Donc je sais pas. C'est non. Pour le moment, c'est non. J'espère que pour hacker, j'ai pas besoin du hacker pro pour le serveur là. C'est là que je vais me pointer devant le serveur et puis il vous faut le PC de hacker pro. Ah! J'aurais pas pu dire en mission. Bon, là je fais un petit procès d'intention au jeu là. Je sais absolument pas. Si ça se trouve, le jeu est entièrement faisable sans le dernier item du jeu, hein. Le dernier item du jeu, si ça se trouve, c'est juste pour hacker super rapidement. Pour arrêter le mini-jeu de hack, en fait. Si ça se trouve, c'est ça. Mais j'en doute.
Alors, l'avantage, c'est qu'on connaît déjà l'endroit. Donc, c'est 303 qu'on va mettre en favori tout de suite. Et je ne me souviens plus, par contre, de comment attaquer. C'est ça, fallait que j'attaque à midi. Parce que là, bon, il est dans les bureaux. Et après, il est dans la cuisine. Quoi qu'il est déjà dans la cuisine. Ouah, midi. Midi. Comme ça, lui, il est à l'avant, puis il passe à l'arrière, en fait. Mais même pas, en fait. Il passe à l'arrière à 13h. Ouais. Ah. J'ai tout mon temps. 13h. Alors, j'ai tout mon temps dans le jeu, mais pas IRL. Je vais pas tarder à devoir arrêter. C'est ça. Je me souviens maintenant. Faut que lui, je le... Non, c'est pas ça. 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 C'est comment? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Comment je rentre après? Je ne me souviens plus. Il n'y avait pas un... Histoire de tuyau? C'est ça, hein? C'est ça, j'avais un tuyau quelque part. J'avais un tuyau là. Mais dans ce cas, il faut pas qu'il soit sur le côté, lui. Si, c'est ça. Parce que je peux le feinter quand même. C'est ça. Ça me revient. J'ai un peu de temps. Alors déjà, ouais, alors attends, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est le dernier écran du PC. Déjà, ça, je le prends. Ouais, on va pas trop trop. Il est où? Il est où le serve? À l'étage supérieur. Je vois pas mon objectif, c'est assez chiant. Faut pas que je me remplisse trop. Il est là.
Mettre la clé USB dans la boîte à preuve. Ok. Le portefeuille marron quelque part. Faudrait que je le chope. Normalement, il est par là, le portefeuille marron. Enfin, je pense, hein. Honnêtement, il... Le premier était dans la salle des devs, à mon avis. Putain, ces tiroirs sont tellement vides. Logiciel, bah non mais... Bon. Ah oui c'est ça, et je peux pas passer par... par où je veux. Oui c'est ça, faut que je repasse par une fenêtre. Pas par celle-là, je vais passer par celle-là. Voilà. On est bon. Mais c'est pas évident de le feinter l'autre.